La plateforme d'intégration et de test de l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est une institution permettant aux scientifiques d'effectuer leurs recherches et développements technologiques au plus haut niveau. La PIT met son savoir-faire au service du développement d'instruments d'observation du fond des océans jusqu'à l'espace par la mise à disposition de moyens mutualisés. Notre travail, c'est de fournir à la communauté scientifique des moyens de faire leurs tests ou leurs intégrations. Nos équipements sont adaptés pour des instruments qui sont pour l'étude du climat, donc qui sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'environnement extérieur. Ça peut être de la température, la pression, les nuages, l'humidité, ce genre de choses. Et aussi pour des instruments qui vont aller dans l'espace avec un peu la même idée, donc soit observer la Terre, donc son atmosphère, ses polluants, mais aussi des instruments qui vont aller vers des planètes. Et ces planètes-là aussi, on va regarder qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, comment elle est éclairée par le soleil, ce genre de choses. La PIT est équipée de nombreux instruments permettant de s'approcher du vide et des températures spatiales, ainsi que des conditions extraterrestres telles que l'atmosphère martienne, ceci permettant une large gamme de tests pour des applications scientifiques variées. Quand on va aller sur un instrument spatial, là il y aura des contraintes supplémentaires parce que forcément l'instrument ne peut pas tomber en panne, on ne peut pas aller le réparer dans l'espace. Et donc l'instrument doit être extrêmement fiable, il doit être intégré dans ce qu'on appelle une salle blanche, ou une salle propre, dans laquelle l'environnement est contrôlé, aussi bien en température, en hygrométrie qu'en empoussièrement, pour que l'équipement ne soit pas fragilisé et surtout qu'il n'y ait pas de poussière dessus parce que systématiquement les poussières vont se déposer sur les cartes électroniques et donc les fragiliser ou sur les parties optiques des instruments. C'est l'instrument de remplacement de Phébus. Il est dans les mêmes conditions ou presque de vide, en tout cas pour l'instrument, c'est pour ça qu'il y a des pompes autour. Si on a des informations qui sont surprenantes sur le vrai instrument qui est distant, de refaire exactement la même chose ou d'essayer de refaire la même chose ici, de faire les mêmes mesures, voir comment ça se passe. Là, il est sous un flux ISO 5 qui permet qu'il ait un taux de poussière très faible, en tout cas qualifié, de quelques milliers de particules plus petits que 0,5 microns par mètre cube d'air. Donc ça, c'est une maquette de Phébus. Alors, c'est pas du tout un proto ni quoi, c'est vraiment de la pure maquette pour présenter l'instrument. On voit Phébus à l'échelle 1. Donc c'est un instrument qui fait 7,5 kg à peu près, hein, pour ces dimensions-là. Voilà, et donc vu de l'extérieur, on a ici le baffle, hein, qui permet de limiter les lumières parasites qui viendraient contaminer nos mesures, qui est accommodé en fait à l'extérieur du satellite. Donc les photons arrivent par le baffle, sont renvoyés par un miroir qui est ici. On a, pour ceux qui connaissent la fente du spectromètre, qui est localisée quelque part dans ce plan, deux réseaux de diffraction ici qui vont nous permettre de venir séparer les raies dans l'UV de la lumière qu'on reçoit vers donc deux détecteurs principaux qui sont ici. Donc Phébus est un instrument qui est sur la mission BepI Colombo de l'ESA, qui est une mission en route actuellement vers Mercure. Alors Phébus est un instrument qui va s'attacher à caractériser la composition de l'exosphère de Mercure. Alors l'exosphère, on peut voir ça comme l'atmosphère de Mercure, qui est juste très peu dense. Et donc elle va caractériser cette composition et aussi son interaction avec le milieu, la surface de la planète, et également ses variations temporelles et géographiques autour de la planète. Pour faire ça, Phébus est un spectromètre ultraviolet qui va donc mesurer le contenu spectral de ce qui est émis, de la lumière qui est émise par l'exosphère de Mercure. Connaissant l'émission spectrale de l'exosphère, on est capable de déterminer quels sont les éléments qui sont contenus dans l'exosphère. Un certain nombre d'activités d'intégration et tests ont été réalisées à la PIT. La plus importante a été justement tout ce qui est intégration, c'est-à-dire que l'instrument a été assemblé dans les salles blanches de la PIT, et à peu près tous les modèles, c'est-à-dire tous les prototypes de l'instrument, donc en conditions propres, ce qui est important pour un instrument spatial, a fortiori un instrument d'optique et a fortiori un instrument qui travaille dans l'UV. Dans les salles blanches aussi, ce qu'on a fait, c'est tout ce qui est test fonctionnel, alignement optique,
une certaine partie des tests d'optique, c'est-à-dire de performance de l'instrument, pas tous, mais une partie. On a aussi profité d'un certain nombre de moyens de tests d'environnement de la PIT, la cuve à vide notamment, et le pot vibrant pour tester certains sous-systèmes de l'instrument. Tous les mécanismes qui partent dans l'espace doivent être testés en durée de vie, c'est-à-dire qu'on les sollicite continuellement pendant une durée qui est représentative en nombre de cycles de la mission. Et ça, ça a été fait dans l'enceinte à vide de la PIT pendant un mois et demi, je crois. Alors BP Colombo a été lancé depuis Kourou en fin 2018. Donc le modèle de vol est parti à ce moment-là sur le satellite. La croisière est en cours. Par contre, pendant le développement de l'instrument, et comme très souvent, voire toujours, quand on développe un instrument, on développe son modèle de vol, mais aussi son jumeau, qu'on appelle le flight spare, donc le modèle de rechange, qui est là pour, voilà, si le modèle de vol, une fois intégré sur le satellite, avant le lancement, présente des défauts, un problème ou quoi que ce soit, on est capable assez rapidement de faire l'échange. Donc c'est vraiment son jumeau. Celui-là, normalement, ne part pas. Et dans tous les cas, il reste, après le lancement, un modèle qui est vraiment identique au modèle de vol sur Terre. Donc aujourd'hui, à la PIT, dans la salle blanche, il reste ce flight spare de Phébus qu'on garde pour réaliser éventuellement des caractérisations optiques sur l'instrument, si nécessaire. Qu'on utilise aussi occasionnellement pour vérifier des comportements qu'on observe en vol. Une fois que les équipements sont intégrés, assemblés, donc nous, on fournit l'infrastructure pour assembler tout ça, les équipements vont être testés pour être sûrs de leur capacité, de leur fonctionnement, et puis pour les fiabiliser aussi. On a une fonction d'ingénieur d'essai, donc c'est nous qui réalisons les tests, et on a aussi une fonction de conseil. Les personnes qui veulent utiliser nos moyens, que ce soit le pot vibrant, les enceintes climatiques ou la cuve à vide thermique, viennent avec une idée en tête, nous proposent ce qu'ils veulent faire, on leur dit si c'est faisable, si c'est pas faisable, et au pire, on adapte. Ou eux s'adaptent à nous. Et particulièrement à la PIT, nous avons des enceintes climatiques qui reproduisent les conditions de température, d'humidité et de pression pour des instruments terrestres. On peut adapter la pression en fonction de l'altitude. Alors, soit la pression en absolu, on lui dit on veut 10 millibars, 100 millibars, 200, 500 millibars. Elle va se mettre à la pression qu'on lui demande. Mais on peut lui dire aussi, simule-moi la pression à 10 km d'altitude. Et pour les instruments spatiaux, on va aller carrément à un degré supérieur pour aller sur du vide spatial ou simuler une atmosphère. Particulièrement, on est capable de simuler l'atmosphère de Mars. Si Mars, c'est la cuve à vide thermique de la PIT, parce qu'elle a la capacité de reproduire l'atmosphère martienne en composition et en pression, mais à la base, c'est une cuve qui est censée reproduire les conditions spatiales.